Salut à tous et à toutes, c'est Vandal et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Y où on va se faire une arène. Hein. Là c'est contrairement au début de l'aventure, quand même entre le premier badge et le second il y avait là des trucs à faire. Là ça change, ça s'enchaîne plutôt rapidement. Du coup alors, en principe les Pokémon ont été soignés par les deux héros là, ok. Du coup, vu que c'est Pokémon électrique, on va... non mais je... Non, non. Il est en forme, Lucario, il n'y a pas à s'inquiéter. Et vu qu'il a l'attaque charge os, ça va être pratique. C'est parti pour l'arène. Un peu... Disco Dance. Salut. Salut futur maître. L'arène d'Illumis est le rendez-vous des pros du type électrique. Elle est aussi surnommée l'arène migraine, à cause de son quiz bien sûr. En tout cas, bonne chance et amuse-toi bien. La tour prismatique, c'est le phare des cœurs. On dirait que ça ne sert à rien, mais en fait, c'est très important. Le type électrique, il n'a pas des masses de faiblesse. Ça. Moi je vais trouver la faiblesse. Ah, c'était toi le dresseur d'or, hein? Tu es venu pour le badge, je vois. Je m'appelle Clem, je suis la petite soeur du champion. Si tu veux rencontrer mon frère, il faudra d'abord répondre à mon quiz. Pour ça, c'est facile. Tu avances jusqu'au podium sur la dalle blanche et je pourrai commencer à te cuisiner. Attention. Question. Quel est ce Pokémon? 1 Emolga, 2 Deden, 3 Pikachu. Et maintenant, il te suffit d'aller parler au dresseur dont le numéro correspond à la bonne réponse. Pikachu, tu es sûr de toi? Oui. Avant de vérifier ta réponse, faisons un combat de Pokémon. Ça aurait été trop facile. Bah, hey, t'es censé représenter Pikachu, pourquoi tu m'envoies un Deden? Deden. Allez hop. Métamorphosisation, ça veut rien dire. Mais par contre niveau dégâts ça fait pas beaucoup là. Ouais, on va aller conquérir le sommet. Parfait, maintenant direction l'ascenseur. Question. Quel est ce Pokémon? Un passe rouge de Roucoule, 3 Nirondelle. Et maintenant, il te suit d'aller parler au dresseur dans le... Bon, ok, ça c'est toujours pareil. Petit combat. Pa ta ta ta. Un Raichu. Celui que j'ai abandonné. Non, je l'ai pas abandonné. Comme ça au moins charge os sera plus efficace. Ouais, il m'a montré ses fesses. Ah ouais, c'est pratique, hein.
Paf. Là. Oui, tu m'as permis de devenir plus fort, merci. Le suspense est insoutenable. C'est un passe rouge. Question. Ok, je sais qui c'est. J'ai couru en zigzag et blablabla. Bah oui, je peux prendre l'ascenseur. J'ai des jambes, mais t'es devant. Et vu que tu te la pètes un peu, bah je vais te casser ta gueule. Aussi simple que ça. Oh, des bulles d'eau. Wow, et il fait des dégâts quand même, Monsieur Lanterne. Ouais. Merci. Ah, moi je suis pas trop contente, mais fais pas un peu de mon temps quand même, parce que tu sais que tu allais perdre. Et oui, et oui. N'est-ce pas? C'est non. Repose-moi la question, repose-moi la question. Mais pourtant, ça représente un trèfle, sa queue, donc je comprends pas. Bon, bah, c'est Flamajou, là j'y comprends rien. Allez, on se combat. Ah, Farampe. Ça rappelle Pokémon Gold. Non pas le random que j'ai laissé tomber il y a un très très long moment, n'est-ce pas? Mais plutôt celui que j'avais fait à l'époque où j'étais sur Daymotion, à l'époque où le site y était bien. Et ouais, à l'époque. C'était une belle époque. Maintenant, Daymotion ne ressemble plus à rien. Ma foi, c'est très dommage. Farampe, tu es un salaud. Du coup, nous avons envoyé Fougère. Avec des attaques de type roulade. Ah, mais arrête de rendre mes Pokémon fous, sérieusement. Allez, quoi. Sois sympa. Voilà. Ah, ça fait pas cheat. Adieu, Fougère. Merci d'être passé, au revoir. Maître Elionso pour revive Lucario. Ah si 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 ça. Quoique deux guérisons, moi je pensais qu'il m'avait donné plus. Allez crevard! Ça va faire mal.
En tout cas, je vois que ce farampe est. Comment dire? L'air d'être au taquet, hein. Bam. Alors. On va utiliser bâillement, en espérant que ça passe. Voilà, on va pouvoir switcher maintenant. Et renvoyer Lucario. En principe, Farm devrait s'endormir. Bonne nuit. Ah putain, je peux pas utiliser Mega Évolution quand il est mis KO. Ah ça c'est... C'est tout, non. C'est ma chance. En tout cas, ce Farmp, waouh, costaud, hein. Alors là, oui. Ah bah j'ai eu peur. Ah bon, j'avoue, cela est pas évident. Encore? Bébé. Alors, question. Ah, j'ai besoin de te revoir. Ok, c'est le premier, c'est Papillusion. Ou là, c'est le deuxième. Ouais, voilà, si j'ai raison, mais je pense que j'avais raison, moi. Puce-le! Celui qui avait atteint niveau 80 sur un Omega, c'était n'importe quoi. Mais non, c'était pas. Non, c'était Liberic Challenge de Pokémon Y, qu'est-ce que je raconte? Ah! Et malheureusement, il a été mis KO à la fin de la ligue, quasiment, si je me souviens bien. C'est assez dommage quand même. Il aura fait. Bah, il me semble que je l'ai eu dès le second épisode. Et comment dire? C'est vraiment dommage. Il avait vraiment fait toute l'aventure, quoi. Une grosse partie. Il n'y a quasiment pas de défense, donc voilà. Au revoir.
Oui. Principe, je devrais arriver à LM là. Ya. Ça risque d'être quand même compliqué, hein. Là, je vais juste utiliser de l'huile pour charge os. Et voilà. À nous deux. Ah, merci encore d'être venu. Permets-moi de me présenter. Et voici le champion d'arène d'Illumis, Lem. C'est bon, tu as bien retenu. Comme c'est champion, tu penses bien qu'il est drôlement costaud. Clem, calme-toi un peu. Je te rappelle que ce sont mes Pokémon qui vont se battre. Je sais. De toute façon, je suis certaine que vous allez vivre un beau combat. Alors, dresseur, tu es prêt? Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est parti. Ah, Emolga. Alors, je vais commencer par faire un stride au son. Et vu que je peux pas utiliser charge os vu qu'il a lévitation, je pense pas que je puisse l'utiliser. De toute façon, il a le double type vol éclair de mémoire. Donc, ça va faire mal. Ouais, quoique non, je suis combattier, donc ça passe. Ils sont en danger. Alors. De toute façon, je pourrais avoir des guérisons bien plus tard et je serai bien plus riche. Là, il devrait le soigner. Non, même pas. Et chier. Il n'y aura plus la méga évolution, ça craint. Ils sont surboostés, c'est pas possible. Allez, on va y arriver. Je pense que je devrais peut-être les faire. Je devrais commencer à les faire pixer un petit peu. Car alors ça commence un peu à se compliquer. Ah, je tentais quelque chose. Ridicule. Ah bon bah on va refouger.
J'ignore ce que c'est. Igualta, c'est quoi ce truc? Ah bah là c'est bon, hein. Lucario il est boosté. Il continue. Hein. Bouffe-toi ça et moi le gars. Ah, il a pas démérité Lucario. Non, moi d'abord, dans ses attaques de priorité, ça sert pas à grand chose. Enfin, dans le sens où, ouais, tu gagnes un tour, mais. Voilà. C'est ça les idées. Merci, tu as rechargé mes batteries. Frérot, tu as perdu? Kiem, je n'ai pas envie de perdre. Si mon équipe perd contre quelqu'un, c'est l'occasion pour nous d'apprendre quelque chose. Bien, en son de ta victoire, voici le bastion Sion. Yeah! Sixième badge! Grâce à ce badge, tu peux considérer tous les Pokémon jusqu'au niveau 70 comme tes amis. Quant à cette capsule technique, il s'agit de la CT24 tonnerre. Puissance 90, précision 100%. Une capacité électrique très fiable et donc très populaire. Hé hey, hé hey. J'ai une vision. Je vois le futur. Une machine qui distribue et s'est fait un rêve mécanique. Mais... les autres buts dans la vie que de voir toujours plus, toujours mieux. À côté de mes inventions adorées, j'ai aussi envie de profiter de 5 jours avec mes Pokémon. Tu veux, je peux descendre par là? Non. Au RDC. Je suis certifié! Qu'est-ce que je raconte, mon sixième badge? C'est mon cinquième! Je sais même pas compter. Le temps de réaction, quand même, c'est génial. Ouais, un message. Qui c'est qui veut me parle? Ah! Tout va bien? Parfait! J'aurais besoin de te reparler rapidement. Rendez-vous au café Lysandre. Pour le trouver, c'est facile. Tu vois le centre Pokémon le plus proche de la tour prismatique? De là, tu devrais pouvoir voir un café avec une devanture rouge. C'est là. Pour y aller à coup sûr, tu peux aussi prendre un taxi. A très bientôt. Hé, il bosse avec les taxis. Il veut que je paye une fortune pour faire 3 mètres. Non, 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 j'y vais à pied. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Pokémon Y. Salut.